Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, on a fait l'analyse de la SPR 208. Aujourd'hui, c'est au tour de la SAP50 qui a également reçu un gigabuff. Et ça fait énormément plaisir parce que ce fusil tactique ne permettait pas de concurrencer les autres armes de sa catégorie. Et d'ailleurs, je la considérais dans le top 3 des pires armes de ce MW3. Vu que la SAB était complètement éclatée, on peut se demander si le buff qu'elle a reçu sera suffisant pour qu'elle soit un minimum jouable. Et si c'est le cas, on peut également se poser la question suivante, est-ce qu'elle peut rivaliser ou concurrencer la SPR 208 ? C'est ce qu'on va analyser au cours de cette vidéo. Et juste avant, un grand merci pour tous ceux qui mettent des petits pouces bleus et qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir pour le soutien. On commence avec le buff qu'elle a reçu, ça concernait les dégâts et la portée. Avant le patch, elle pouvait one-shot uniquement dans la tête et dans le torse et à une portée limitée à 11 mètres, donc c'était vraiment très mauvais. Et ça fait que dans l'énorme majorité des situations, on faisait des hitmarkers. Là, avec le patch, elle est limite équivalente avec la SPR 208, puisqu'elle a exactement les mêmes dégâts. Vous savez qu'on peut one-shot dans la tête, dans le torse, dans le ventre et également dans les épaules. Et ça fait qu'on va faire des hitmarkers uniquement dans les avant-bras et dans les jambes. Tout ça, c'est sur une portée de 20,5 mètres, ce qui est quasiment équivalent avec la SPR qui a une portée de 21 mètres. La différence, c'est au niveau des accessoires qu'on peut équiper. Avec la SAB50, le max du max qu'on puisse faire, ça reste toujours 20,5 mètres, donc on ne peut pas faire plus. Par contre, avec la SPR, on peut aller jusqu'à du 29 mètres, mais en compensation, ça pénalise la mobilité. Avec les classes que je joue, j'ai une portée de 20,5 mètres sur la SAB et une portée de 21 mètres sur la SPR. Ça fait que entre ces deux armes, il n'y a quasiment aucune différence entre les dégâts et la portée. On passe sur la cadence de tir qui est de 82 balles par minute. C'est un peu plus rapide que la SPR et c'est forcément à son avantage puisqu'elles ont quasiment les mêmes dégâts. Au niveau du TTK, bien évidemment, il est de 0 millisecondes vu qu'on va one-shot ses adversaires. Par contre, en cas de hitmarker ou de balle loupée, ça fait qu'on aura un TTK de 732 millisecondes, ce qui est encore une fois plus rapide que la SPR vu qu'on a une meilleure cadence de tir. On enchaîne sur la mobilité, on a un temps de visée de 303 millisecondes et là aussi c'est plus rapide que la SPR. Ça fait qu'on va pouvoir viser plus rapidement et donc d'une certaine manière on va pouvoir coucher ses adversaires beaucoup plus rapidement. Le temps de sortie de sprint, il est également plus rapide. Après, c'est une statistique qui n'est pas tant importante que ça. On est à 182 millisecondes, mais c'est pas tant nécessaire d'être ultra rapide pour un fusil tactique. La seule chose qui importe, c'est d'être plus rapide que le temps de viser. Et on a la vitesse de déplacement en visant qui est de 3 mètres par seconde. En sachant que la SPR, elle est à seulement 1,3 mètres par seconde. Ça fait que, encore une fois, la SAB50 est largement plus rapide, sauf qu'il y a quand même une petite douille dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Globalement, on a une mobilité qui est largement supérieure à la SPR 208, ça fait qu'avec la SAB50, on va pouvoir rusher encore plus efficacement. Concernant la capacité chargeur, on a 10 munitions, c'est une capacité chargeur qu'on a déjà par défaut. Si on veut équiper un chargeur de 5 munitions, ça pénalise beaucoup trop au niveau de la capacité chargeur et ça réduit également le potentiel d'enchaînement. Même si en compensation ça permet de booster la mobilité, ce n'est clairement pas rentable, d'autant plus qu'on a déjà une excellente mobilité. On pourrait aussi choisir le chargeur de 15 munitions, mais là ce n'est absolument pas rentable. Déjà avec 10 munitions, on a de quoi enchaîner ses adversaires, donc avoir beaucoup plus, ce n'est pas du tout nécessaire. En plus de ça, ça prendrait une place importante dans la classe, ce qui pourrait restreindre des accessoires indispensables. Et en plus de ça, ça pénalise au niveau de la mobilité. Par conséquent, autant rester sur un chargeur de 10 munitions, ce qui est déjà l'idéal pour cette arme. Le temps de rechargement quant à lui est de 3 secondes et encore une fois c'est un tout petit peu plus rapide que la SPR 208 mais la différence est tellement minime que à la limite ça revient au même. Maintenant qu'on a analysé les différentes statistiques, on va voir la meilleure classe à équiper. On a tout d'abord la bouche silencieuse Sonic L, le canon d'usine Prison LR 18.5, la lunette FTAC Locus SP, la crosse qui s'appelle Mod XRK Spectre,
Et enfin, pour le verrou, c'est la culasse FSS ST87. Concernant le choix des différents accessoires, on a tout d'abord le silencieux. Ça permet d'être discret sur la mini-carte des adversaires, en plus d'améliorer un tout petit peu la portée. Cet accessoire, il est nécessaire surtout pour le boost de portée. Après, le fait d'être silencieux, c'est encore une fois un avantage par rapport à la SPR, même si en termes de feeling, ça donne la sensation d'avoir moins de puissance. On a le canon qui va également booster la portée, donc c'est complètement indispensable. On a la lunette, celle que j'ai choisie, c'est le FTAC Locus. Je la trouve parfaite, pour moi c'est le meilleur viseur, et en termes de précision, c'est tout simplement incroyable. La crosse, quant à elle, va booster la mobilité, tandis que le verrou va améliorer la cadence de tir. Et enfin, je vais vous partager mon avis sur la SAB50, et pour ça, on va faire une comparaison entre cette arme et la SPR 208. La SAB, elle a l'avantage d'avoir un peu plus de cadence de tir, une bien meilleure mobilité, ainsi que l'accès à un silencieux intéressant. La SPR, quant à elle, elle a seulement l'avantage d'avoir une portée supérieure de 0,5 m. Avec ce petit comparatif, on se rend compte que la SAB50 est toujours supérieure à la SPR 208, et ça, c'est parce que les avantages de la SAB vont toujours avoir un impact dans quasiment tous les duels, alors que le gain de portée de la SPR ne va impacter à la limite un duel sur 100, un duel sur 200, mais son bonus ne va jamais se faire ressentir. Sauf que la SAB50, elle a un énorme point faible, c'est qu'elle est beaucoup trop rapide. Comme on l'a dit un peu plus tôt, on a une vitesse de déplacement en visant de 3 mètres par seconde contre 1,3 mètres pour la SPR 208. Et le souci, c'est que quand on vise et qu'on se déplace avec le joystick gauche, on va se déplacer beaucoup trop rapidement, ce qui fait que quand on va vouloir ajuster son adversaire avec le joystick 3, ça va être beaucoup plus compliqué. Et vu qu'on n'a pas ce souci avec la SPR, ça fait qu'on va être beaucoup plus efficace. En conclusion, mieux vaut-il jouer la SAB50 ou la SPR 208? Pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est la visée. Ça va énormément impacter au niveau du style de jeu. En tout cas, je sais que la SAB50, ça ne me correspond pas forcément, parce qu'en fait, on est tellement rapide quand on est en mode visé que je suis un petit peu confus. Je sais pas si je dois ajuster avec le joystick gauche ou le joystick de droite, et ça fait que je vais avoir tendance à beaucoup louper mes balles. Bien évidemment, c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps, et c'est là qu'intervient le deuxième élément à prendre en compte, c'est est-ce qu'on a envie de bien maîtriser et de bien gérer son arme. Si on joue sur le court terme et qu'on a envie de faire que quelques parties, dans ce cas-là, la SPR sera largement supérieure, puisqu'elle est beaucoup plus facile à prendre en main. Après, si on a envie de tryhard, de bien gérer son arme, etc., dans ce cas-là, la SAB50 a largement plus de potentiel. Par conséquent, pour moi, et en sachant que je suis très loin de bien gérer ces deux armes, je trouve que la SPR 208 est largement supérieure, mais je n'ai aucun doute qu'un bon joueur SAB50 sera forcément supérieur à un bon joueur à la SPR 208. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis bisous bisous.